Quelle température elle fait? 14. Moi je suis un vrai thermomètre ambulant. Sur la ligne de départ. Hein. Ah, il est prêt? Allez, on va te recommandation. Mais c'était votre anniversaire, non? C'est pas mon anniversaire. Vous avez quel âge? 80. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi chaque année vous faites ce bain? Mais c'est une habitude depuis tout jeune que j'ai fait ça. Et c'est rentré dans une habitude. Et puis ça fortifie le mental. Et surtout, ça donne des défenses naturelles un peu plus grandes. Il ne faut pas oublier que nous sommes le club de triathlon, un des clubs de triathlon de la ville d'Antibes, les Finishers d'Antibes. Et donc on est un petit peu habitué à fréquenter les atmosphères aquatiques dans notre sport. Et chaque année aussi, au mois de juin, on organise une manifestation sportive centrée sur la ville d'Antibes et autour de la mer, autour de la plage de la Salise. Mais là, pour aujourd'hui, c'est ouvert au public? Là, c'est ouvert bien sûr au public, c'est bien le but, hein, c'est ouvert au public. Tout est réuni pour la sécurité. Vous verrez qu'il va y avoir donc les médecins, le service d'ordre qu'il faut pour ce genre de manifestation. On a une grande habitude des organisations. La motivation des gens qui viennent participer à ce genre de... Alors c'est centré sur la convivialité. On rentre, on fait une petite trompette, on prend le bain, on débute l'année les pieds dans l'eau, et ensuite on se retrouve sur une boisson chaude et des petites viennoiseries, et puis on se souhaite qu'on a mis. En fait. Sur le départ, comment ça se passe, l'organisation? Pas d'organisation. Les gens demandent s'il y a des méduses, et là c'est tout dans la bonne franquette et c'est convivial. Les gens ils se mettent dans l'eau, ils font comme ils veulent, il n'y a pas de règlement. Très bien. Voilà. Après, ils peuvent rester, mais bon, au bout d'un moment, s'ils trappent plus au bout d'une heure, ils disent basta, il faut sortir maintenant. Comment ça se passe alors, les premières sensations quand vous mettez les pieds dans l'eau? Non, mais moi je crains pas, hein, c'est comme ça. C'est. On peut pas expliquer. C'est le, pas... le plaisir tout de suite. Oui, rentrer dans l'eau, mais surtout, bah, tous ceux qui ont peur de rentrer dans l'eau et qui disent qu'on froid, c'est ceux qui hésitent au bord. Il faut rentrer dans l'eau et puis bouger, machiner, voilà. Moi, on est originaire du Midi avec ma femme, là, et puis depuis 40 ans, on habite en Lorraine. L'année dernière, on est venu ici pendant 15 jours, on a trouvé que c'était bien, et puis cette année, on est venu exprès pour prendre le bain de Nouvel An, alors on est des habitués, quoi. Et alors, c'est pas trop dur pour rentrer dans l'eau? Non, mais on est habitués, on se baigne à la mer du Nord, on est un peu de partout, en Hollande, de partout, non. Non, c'est une question d'habitude. Hein. Alors, il ne faut pas craindre le froid, mais ça va. Hein. Oh, 14 degrés, c'est bien. Hein. Ouais. On convie vraiment tout le monde à faire pareil. Saler, sauter dans l'eau.